Meurs, traître! J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à le tuer comme je voulais. C'est-à-dire l'assassiner avec lui. Mais tant pis. Tant pis. C'est... J'aurais essayé. Tu vas te calmer, s'il te plaît. Tu vas. Ta gueule! T'es mort, tu ne parles plus. Un mort ne parle pas. Et voilà, synchronisation. Et on va pouvoir faire le saut de la foi. Attention, saut de la foi. 9, 8 sur 9, un dernier et on a fini cette mission. Secondaire, entre guillemets. Ok, là, il y a un défi informateur. Donc, il n'y a pas de truc à sauver ici. Et donc, le dernier point, il est là. On va essayer de monter par là, si je peux. Ah oui. Regardez ça. Oh là là là, il peut monter n'importe où, Altaïr. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, la tour est juste en face. Je propose un petit voleur sur toutes mes marchandises. Profitez-en. Oui, mais si je fais ça aussi, c'est... Tu n'es qu'un sale voleur. Ça va être... Ça va être la... Tu n'es qu'un sale voleur. Ça va être le... La phrase de ce live, tu n'es qu'un sale voleur. Je me fais chier. Ah bah, regarde mon live, tu te feras moins chier. Tu vas le payer cher. Voilà. Déjà, il y a une étude qui dit que si on regarde un live de Link, eh bah, on se fait 50% moins chier. Donc... Maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Allez, monte sur ce truc. On synchronise, comme ça on a toutes les tours et on a fini le premier objectif principal de cette séquence. Comme ça, on peut m'applaudir. Bravo. Bravo, Link. Et attention, le saut de la foi, comme d'habitude. Wouhou! Et pouf! Voilà, tous les points d'observation du quartier pauvre de Damas ont été atteints. Et il y a deux villageois à secourir ici à droite et à gauche. Donc let's go. On va aller les secourir. Non. Tu vas le payer cher. Garde-toi de moi. Tu vas mourir. J'ai complètement foiré mon coup, c'est pas grave. Oh là là. Je n'ai pas de temps. Oh là là. Cette parade. Et voilà, le premier est mort. Il y en a un autre qui arrive parce que c'est comme ça, c'est la vie. Oui, bah oui, tape un habitant, c'est bien. Oh, il a rien vu venir. Lui non plus a rien vu venir. Il en reste plus qu'un. Et... Bam. On va parler à madame. Merci pour votre aide. Oh, il y en a un qui va m'attaquer. Je m'en vaudrai ça. J'en fais serment. Allez. Il y a mes complices qui sont là. On se demande qui a fait ça. Je me barre vite fait. Parce que je vais me faire attaquer sinon. On va direct au prochain. Il doit être là-dedans. Ouais, il est là. Pour qui te prends-tu? Oh, il a bien paré là. J'ai envie de dire. Allez, lui, il a rien compris, il est mort. Lui non plus, il est mort, il a rien compris. Venez pas là, les citoyens, sinon je vais vous tuer. Oh, il s'attendait pas à ce que je vienne vers lui. Ah ouais, je m'attendais pas à que ça soit lui qui vienne. Mais il est mort. Et ouais, lui aussi, il est mort. Voilà. Juste au bon moment. Tous les citoyens fait aussi. Je vous dois la libye. Voilà, tous les citoyens ont été secourus dans le quartier pauvre de Damas. Maintenant, on va pouvoir passer au truc chiant. Donc, défi informateur. C'est, je pense, le défi informateur. C'est vraiment. Oula, le truc le plus chiant à faire. Dans Assassin's Creed. Mais on sera obligé de le faire. Il faut qu'il arrête de faire ça. Et il est à notre informateur. Altaïr, j'ai besoin de ton aide. J'ai pris quelque chose à l'un des hommes de Tamir et maintenant il me cherche. Aide-moi. Conduis-moi en lieu sûr et je te montrerai ce que c'est. Ah maintenant, bah c'est juste c'est une protection, ok. Bon ça va. C'est pas le plus compliqué, je pense. En avant, ça, allez. Faut juste que je le protège et qu'il meure pas.
voyez ces deux mecs, le mec là, armé, qui va nous attaquer. On le sent. Hein? Ça se sent qu'ils vont nous attaquer, non? Ah non. Ne trouvera pas de meilleur marchand que moi. Bon, il est où ton endroit sûr? Pas trop loin, j'espère. Mort à l'infidèle. Ouais, mort à l'infidèle. Sauve-moi, mon frère. Ok. Pas comme si on le fait depuis tout à l'heure, de tuer des gens. Alors, on peut continuer. Continue ton chemin. Continue. J'espère qu'il va pas aller à Perpète les Oies. Allez, monsieur, faut avancer. Dieu tout-puissant. Ah, lui va nous attaquer, lui. Lui, c'en est un qui va nous attaquer. Vous voyez venir. Ah. Oui, bah qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes en sécurité. Ah d'accord, on est en sécurité. Je peux maintenant me débrouiller seul. Prends ceci. Qui en aura besoin dans la mission? Il y avait un garde juste à gauche, mais on est... C'est une sorte d'invitation, je crois. Enfin, à droite, mais on est en sécurité. Il y avait un garde juste là, mais on est en sécurité, d'accord. Et on a gagné une... Tanir. Tanir se trouve dans le souk. Ok, ça c'est cool à savoir. Où est-ce qu'on peut aller? On va aller... on va dérober. On va dérober un truc. Let's go. C'est vers là-bas qu'il faut que j'aille. Votre enquête est terminée, retournez au bureau pour commencer votre mission d'assassinat. Vous pouvez également poursuivre vos enquêtes. Ouais, parce qu'il n'y a que 3 trucs d'enquête à faire pour chaque enquête. Sauf que moi, bah, je vais tous les faire, comme ça on aura vraiment plein d'informations. Voilà. On sait que Tamir se trouve dans le souk. Il faut vraiment faire quelque chose. Quelqu'un d'autre ne va pas tarder à le découvrir. Ouais. Dis-lui alors, maintenir la sécurité dans le souk et dans son intérêt. Il voudra pas me rencontrer. Il est trop occupé par sa nouvelle commande. Et les gardes? J'ai déjà essayé. Ils ne lèveront le petit doigt que si l'ordre vient de lui. Qu'est-ce que tu vas faire alors? M'entretenir avec Abul Nukud. Le prince des marchands? Il ne te recevra pas. Il n'en aura pas besoin. Je lui ai rédigé une missive pour lui exposer le problème. Il n'aura qu'à la lire pour se faire une idée. Ok, faut que je récupère la missive. Que le monsieur a. Hein? La vermine, on s'en débarrasse. Infidèle! Je vais te pourchasser. Putain, mais j'ai foiré, c'est pas possible. Quel sac. Oh là, le jeu. Calme-toi, le jeu. Je sais pas pourquoi sur PS3 j'y arrivais facilement ces trucs de dérobage. Mais là, c'est la merde. Y'a pas une cachette ici? Putain, y'a pas une cachette. Voilà, si y'a une cachette. Ah non, bah mets-toi dedans. Voilà, comme ça je suis caché. Ça a bugué, mais tant pis, voilà, je suis caché. Et on va pouvoir recommencer le dérobage. Putain. C'est chiant ces missions de dérobage. Là on est au souk. On est dans le souk. Désolé madame. Allez, viens. Laisse-moi te montrer ce que j'ai pour toi. Allez, commence à marcher, s'il te plaît, voilà. Yeah! J'ai récupéré. Vous êtes procuré une carte du souk indiquant qu'il est facile d'accéder à la cour centrale en passant par les toits au nord-est. Ok, ça c'est cool à savoir. Il me reste 3 enquêtes à faire. Donc on va encore faire un truc de dérobage. Qui, on sait comment ça va se finir. Cette enquête de dérobage là, de merde, de mes couilles. Faut juste savoir bien s'y prendre, c'est tout. Approchez, venez voir ce que j'ai à vous vendre. C'est de la bonne cam. Une bonne plante verte. Attention mesdames avec vos vases, je vais pas vous les casser. Reste pas là.
Trop près. Oh, désolé. Trop près encore. Ce n'est pas très galant. Ouais, je suis désolé. Je pense que tu as bien compris. Oui. Je dois porter la lettre à votre ami le marchand. Est-ce que tu sais qui c'est? Le même homme que d'habitude. Surtout pas un mot sur ma présence dans cette ville. Attention, nous avons l'œil partout. Et vous êtes bien armé. C'est pratique pour réduire les bavards au silence. Je ne le sais que trop. Vous avez ma parole. Bien. Alors dépêche-toi. Le temps presse. Je sais pas par où il va partir. Je vais mettre là. C'est à quel mec que je dois dérober? C'est à lui. Comment je me... Allez-vous-en et je vous laisse en vie. Ah ouais, je m'en vais, t'inquiète pas. Pourquoi avez-vous fait ça? Que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour ses convictions. Si vous restez là, je vais finir par m'énerver. Pourquoi je peux pas dérober? Il y a un problème dans le jeu. Je peux pas le dérober. Ah, parce qu'ils n'étaient pas putain activés. Exalté et glorifié soit-il, nous entende et nous accorde la victoire. Oui, j'ai récupéré. Vous êtes procuré une lettre où vous apprenez que Tamir va expédier une importante quantité d'armes. Waouh! Donc let's go. Maintenant, on va faire l'espionnage. Let's go pour l'espionnage. En espérant que ce soit pas de l'espionnage industriel. Oh là là, c'était nul. Mais tant pis. Let's go. Allez. Oh, saute, mais non, là, saute comme d'hab, comme ce que tu sais faire habituellement. On va espionner une conversation. On se presse pas comme ça sans raison. Ah mais je suis pressé, donc j'ai une raison de pourquoi je me presse comme ça. Hein. On la connaît cette raison. Je dois aller voir ma femme. Oh, un drapeau. Bonjour le drapeau. Non, je vais pas aller dedans. Non, je vais pas aller dessus. Y'a pas un banc? Si vous voyez un banc, dites banc dans le chat. Mais what? Pourquoi il a fait ça? Ok, j'ai trouvé le banc. Je n'aime pas être dérangé. Bonjour. Allez, on va écouter. Ce qu'il dit. Je te dis que ce sont des rats. Ah. Non, des enfants, je les entends rire. Rats ou enfants, tout ce bruit, c'est pas bon pour les affaires. Ouais. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un doit escalader ces poutres pour les chasser. Je me demande comment ils sont montés jusque-là. Bah, sans doute par la cour centrale. Nous devrions demander aux gardes de jeter un œil. N'y pense pas, ils sont bien trop occupés à cajoler leur maître. Yeah! Il est possible d'accéder aux poutres qui traversent la cour centrale. Ok, ok. C'est bon à savoir. Et maintenant, la dernière enquête. L'interrogatoire. On est parti pour un petit interrogatoire des familles. Si je trouve où est-ce qu'il faut que j'aille, où est-ce que je peux tourner à gauche, enfin à droite. Hé, hey, ton visage m'est familier. Ah, bah pas moi, je te connais pas. C'est normal que mon visage est familier, je suis quelqu'un de connu. Bon allez, on va partir sur les toits, ça va aller beaucoup plus vite, c'est le meilleur raccourci. Si vous êtes perdu dans une ville, le meilleur raccourci que vous pouvez prendre, c'est par les toits. Alors vous êtes paumé dans une ville, allez sur les toits. Vous retrouverez plus facilement votre chemin. On va essayer de regarder sautage sur l'échelle. Hop là, et on va descendre parce que ça se passe en bas ce que je dois faire. Hop là, non, 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 reste en bas, voilà. C'était juste avant la bataille de Hattie. Les Sarrasins manquaient de tout. Ils avaient besoin de ravitaillement. La situation semblait désespérée. En ce temps-là, Tamir conduisait une caravane entre Damas et Jérusalem. Mais les affaires marchaient mal. Aucun habitant de Jérusalem ne semblait intéressé par ces produits. Des fruits et légumes provenant des fermes voisines.
si Tamir n'avait pas été là, les hommes de Salah ad-Din se seraient sans doute retournés contre leur chef. Ah. Nous lui devons peut-être la victoire. Ok, maintenant j'ai plus qu'à le... Tu as un problème ? À trouver un endroit où je peux... Où je peux le tabasser dans un endroit calme. Genre ici, ça a l'air d'être un endroit calme, on est d'accord. Ouais, vite fait. Bah si, y'a personne. Comment osez-vous ? J'arrive pas du tout les combats à main nue. Ah voilà. Tu sembles bien connaître Tamir. Que prépare-t-il ? Je ne connais que les histoires que je compte, rien de plus. Dommage. Je ne te laisserai pas vivre si tu n'as rien à offrir en échange. Attends, attends ! Je sais quelque chose. Ah ! Je t'écoute. Il est très soucieux depuis quelque temps. Il fait fabriquer de grandes quantités d'armes. Et alors ? Elles sont destinées à Salah ad-Din. Cela ne m'aide en rien. Et cela ne t'aide pas non plus. Non, elles ne sont pas pour Salah ad-Din. Salah ad-Din. Mais pour quelqu'un d'autre. Elles portent des emblèmes différents qui me sont inconnus. Apparemment, Tamir vient en aide à une personne que je ne connais pas. Est-ce tout ? Oui. Oui. Ah. Je t'ai dit tout ce que je savais. Ok. Alors te voilà condamné. Oh ! Allez, pouf. Bah, on fait pas dans la dentelle dans les assassins. Tamir est très occupé à superviser la production d'armes. Et maintenant, on va retourner au bureau. Pour annoncer tout ça au mec en disant « Coucou, on a fini notre enquête, on va pouvoir aller tuer Tamir. » Et après qu'on aura tué Tamir, on arrêtera le live ici. Et oui, c'est triste, hein. Mais on se retrouvera demain pour un nouveau live. Aux mêmes heures, à peu près, vers 21h. Comme aujourd'hui. Allez, va dans le bureau des assassins, là. Fais pas Tamir Jauré, voilà. Coucou. J'ai des infos Bienvenue, sur Tamir. Bienvenue, Altaïr. Bienvenue. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi la plume. Chaque chose en son temps. Qu'as-tu appris ? Tamir règne sur le Souk al-Silla. Il a fait sa fortune en vendant armes et armures et a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise. Forgeron, marchand, financier. C'est le plus puissant des marchands de mort de la région. Et as-tu trouvé un moyen de nous débarrasser de cette vermine ? Ils vont se rassembler dans le Souk al-Silla pour conclure une vente importante. La plus importante jamais réalisée par Tamir. Il sera pris par son travail. Et j'en profiterai pour agir. Ton plan me semble logique. Tu as tout mon soutien. Voilà, j'ai gagné la plume pour pouvoir affronter Tamir. Parce qu'il faut avoir une plume. Ouais. Ah, il fallait la récupérer qui a été devenu invisible. Que la volonté d'Al-Mualim soit faite. Volonté d'Al-Mualim. Repose-toi ici, autant que tu veux. Ok, bah salut mec. Ouais. Ah oui, d'accord. Avance rapide vers une séquence. C'est vrai qu'il y a maintenant une avance rapide de la séquence. On dort un petit coup, voilà. Tamir est dans le souk, occupé à préparer une importante expédition d'armes. C'est le moment de frapper. Et quand on aura fini, et quand on aura fini de frapper, quand on l'aura tué, on s'arrêtera là. Alors le souk, où est-ce qu'il est ? Ok, il est à l'autre bout de la ville, bien sûr. Waouh, j'ai failli tomber comme une merde. On va y aller par au-dessus, par le haut, parce que on peut passer par le haut si je me rappelle bien. Oh là, oh là, oh calme-toi. Calme-toi, Altaïr. Tu fais des trucs bizarres. Oh là. Oh là, j'ai failli tomber. Alors on arrive au souk. Pardon, 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 messieurs, dames, pardon. Il y a fait du monde, putain.
Je ne comprends pas du tout ce qui est cette scène. T'inquiète pas, moi je sais très bien ce que je veux faire. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tu vas voir. Bon, j'ai traversé la poutre en mode au calme. Attendez. Mais pourquoi j'ai fait ça? Putain. Voilà, tac, on va pouvoir. Non, c'est pas là, pas là. Voilà, repars par là, voilà. Monte d'un cran. Non. Remonte d'un cran encore. Putain. C'est la merde. Voilà. J'aimerais monter sur le. Non, tu peux pas. Putain. Faut que je fasse le tour. Parce qu'on va essayer d'aller de le surprendre. On va pas. Pour une fois, on va essayer d'être assez discret pour une fois. Merde, je me cours dans mes boutons, c'est pas possible. Il va finir par bousculer quelqu'un. Pour une fois, on va essayer d'être discret, d'accord? Arrêtez de me poursuivre, madame. Ça s'appelle du harcèlement. Merde, y'a des mecs. Fiche le temps. Maudit infidèle! Je sais pas pourquoi j'arrive pas à prendre la lame. Vous voulez nous assassiner, mais. Ouais, ça dégage. Ma marchandise est exceptionnelle!